Je suis César. Je suis Enrique. C'est une histoire qui se passe à l'Uruguay, mais qui les valeurs et que les idées qui sont là sont universelles, parce que c'est éthique, morale, valeurs, sont des choses qu'on doit tout le temps penser. Comment est-ce qu'on met à front de ces choses, l'éthique, la morale, la famille, les sentiments. C'est une histoire localisée, mais très universelle. Nous pensons ça. We were saying, no, you were saying that this picture, our picture, reminds you of an Italian movie of the 70s. And to my mind, I think this picture, El Baño del Papa, is very Italian in a way, in the sense that it goes into drama and into comedy very fast. Goes into it and out of it very fast. And that is something I have only seen in Italian movies of the 70s and maybe some of the 80s. When you have a dream, you can be naive about your dream, or you can be realistic. The dream we had together about making a movie was a realistic one. It took a lot of time, it was a great effort, but it was realistic. That is why we have a picture now here in Cannes. On the other hand, the character of the movie is absolutely naive, and he thinks he can change his life from one day to the other. And that is why happens what happens. Il faut continuer à avoir des rêves. Si un rêve ne marche pas, pour vivre, pour continuer à vivre, il faut nécessaire d'avoir des autres rêves. Parce que sinon, on met... et principalement, ces gens ont besoin de sentir qu'il y a des possibilités. Et pour survivre, il faut prendre la vélo et aller au Brésil à acheter des pommes et des riz et des sardines et retourner avec les vélos, plein de choses, beaucoup de choses, et escape from la police et from les militaires qui sont plus limités, et il faut marcher par la terre, par le on the countryside, à la campagne, au milieu des vaches, et retourner à chez nous pour avoir quelque chose à manger et pour avoir un rêve de vivre mieux. So you will cry and you will laugh a lot with this movie, which is a simple story.